Au premier couinement, je vous crible de flèches. Très bien, vous voilà. J'ai trouvé ce petit avorton qui fouinait. J'allais lui trancher la gorge. Laissez-moi voir ça. Ça n'a même pas de sens. Je ne connais aucune cour dans tout le pays qui prendrait ça au sérieux. Les formules ne sont même pas en faveur des gobelins. Ils pensent que cette chose va leur accorder une sorte de statut. Ne vous méprenez pas. Ce sont toujours des gobelins. Pourtant, si nous pouvons rompre l'alliance ici et maintenant, ça nous épargnera bien des soucis. C'est magnanime de votre part. Je vous laisse faire, je vais voir si le Fanal nous a amené des renforts. Rompez cette alliance et trouvez cette Nelania. Voyez si elle aime être menacée avec des objets pointus. Baez va dire au chef, vous vouloir parler. Baez a dit, vous voulez parler. Parler. Côte et côte. On dit que vous voulez parler. Parler. Tous les elfes mentent, trichent. L'elfe a dit qu'il y aurait de tricherie. Mais elle a menti aussi. Pourquoi vous croire? Fatigué des mots elfes. Que des mensonges. On ne veut pas des vôtres. Laissez-nous tranquilles. Voilà. Clé de la grotte elfe. Vous, la tuer ou pas la tuer. Vous choisissez. Côte avoir marre bazar. Je vais pas gêner, laissez tranquille. Attendez, je ne désire pas me battre. Discutons. Écoutez-moi, je ne veux pas me battre aujourd'hui. Non, aucun tour. Soit vous avez pu vous faufiler entre les gobelins qui gardaient ma porte, soit vous les avez massacrés. Alors je ne vais pas me risquer dans un combat frontal. Je préfère discuter, si vous parvenez à vous tempérer. Quelle courtoisie! Mes conditions sont simples. En échange de ma vie, je quitterai cette grotte et laisserai les gobelins au sort que vous et vos compatriotes du domaine jugez adapté. Je vous laisse même prendre ce que vous voudrez. C'était des dupes, qu'on s'entend. Du point de vue de nombreux membres de l'héritage voilé, nous perdons déjà. Il était facile de dresser les gobelins contre leurs anciens maîtres. Nous sommes prêts à tout pour égaliser les chances. Pourquoi mourir pour ça ? Je ne me fais aucune idée quant à mes chances contre vous, et les chicots ne sont pas aussi utiles que je l'aurais cru. Ça n'a aucun sens de continuer tout ce cirque. Ne vous inquiétez pas, je ne compte pas revenir.
Enfin des renforts! Comment ça s'est passé? Chassée? Vous voulez dire qu'elle n'est pas morte? J'espère que vous savez ce que vous faites. Nous surveillerons les gobelins d'ici. Leur coopération au long terme assurera leur survie. Vous avez les armes. Et j'ai votre paiement. Je garde toujours une réserve dissimulée au fond du bateau. Les gobelins sont passés à côté, heureusement. Ce fut un plaisir de faire affaire avec vous, et merci pour le sauvetage.